Dernièrement sur le bateau, on a vécu une expérience assez folle en traversant l'Atlantique en seulement 14 jours, en voyant des conditions de mer assez exceptionnelles avec des creux de 8 à 10 mètres. C'était un spectacle incroyable. En tant que marin, naviguer sur Tara, c'est une chance inouïe parce que c'est un bateau qui accède partout dans le monde, dans la glace ou dans les pays chauds. Et de ce que j'en retiens, c'est l'expérience humaine principalement, mais aussi toute la connaissance que j'ai acquise au niveau scientifique. La rencontre entre la Fondation Tara et le Génoscope a eu lieu en 2008, à l'occasion du montage d'un projet précédent qui s'appelait Tara Océan. Alors donc, dans le cadre de l'expédition Tara Pacifique, le Génoscope s'occupe du séquençage de l'ADN, de l'ensemble des échantillons, et il s'occupe aussi d'une grande partie du traitement informatique des données. C'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre la diversité génétique des espèces présentes dans les récifs coralliens, de comprendre aussi quels gènes s'expriment selon les environnements. Mais il participe aussi à l'expédition elle-même. Il y a en particulier un certain nombre de personnes du Génoscope qui sont allées sur le bateau. Alors je suis bioinformaticien au Génoscope et je travaille donc sur les données Tara. J'étais à bord pendant 3 semaines en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour utiliser une des dernières technologies de séquençage qui s'appelle le MinION et qui nous permet d'analyser l'ADN des coraux directement sur place. Alors ça a 2 intérêts principaux. Le premier, c'est de pouvoir éviter de stocker trop d'échantillons à bord. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir réorienter immédiatement les plongeurs pour qu'ils aillent prélever les coraux qui ont un intérêt biologique particulier. Je suis chef de projet et je travaille essentiellement en bioanalyse. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'opportunité de pouvoir embarquer sur Tara. En plus, ma passion, c'est de plonger. Donc, j'ai embarqué vraiment pour faire l'échantillonnage des coraux. Donc, j'ai fait 2 transsecs. Un qui allait de Moréa jusqu'à Wallis et des Philippines jusqu'en Chine. Mon rôle, ça va être de fournir en fait une référence des génomes des 3 coraux principaux que l'on a prélevés pendant toute l'expédition pour pouvoir faire des analyses comparatives avec tous les échantillonnages que l'on aura fait durant la mission. Donc une fois les échantillons de coraux collectés par les plongeurs et ramenés sur le pont du bateau, il faut les préserver. Et là, on a eu un rôle dans le choix du protocole de préservation. Il a fallu que l'on trouve quelque chose de simple à mettre en œuvre et de robuste. Donc ça consiste juste à rajouter un tampon de préservation dans le morceau de corail pour garder l'intégrité des acides nucléiques et ensuite placer le tube dans le congélateur à moins 20 dans la cale avant du bateau. Il y en a encore beaucoup là, Je pense que the logistical manager I take care about the how I always say for the treasure of Tara, recovering all the samples from the boat and ship it secured under 3 different kind of temperatures from the remote places to Génoscope. I'm quite accustomed to all these permits we need. We have to talk to officials because corals are endangered species. So you require a certain CITES permit to move these samples from all these remote places to Paris. Donc on a organisé tout au long du parcours des transferts d'échantillons du bateau au Génoscope. Donc on récupère plusieurs cartons avec des températures de conservation différentes. Tout ce qui est à température ambiante, ça va au niveau des étagères. Et après, dans le fond du magasin, on a un frigo, 2 congélateurs à moins 20 et 1 congélateur à moins 80. C'est vraiment la priorité de restocker les échantillons à la bonne température et surtout les échantillons à froid.
puisque les échantillons, notamment pour la génomique, sont très sensibles à la remontée de température. Il ne faut pas casser la chaîne du froid. On les a répertoriés et les échantillons destinés à la génomique sont ensuite traités à Génoscope. Et pour le reste, ils sont renvoyés dans les différents laboratoires qui ont collaboré au projet. Donc la première étape du traitement des échantillons destinés à la génomique est de broyer le morceau de corail pour extraire les polypes du squelette et les organismes associés. Puis on passe à une étape de purification qui consiste à séparer les ADN et les ARN des débris cellulaires. Ensuite, les ADN et ARN sont préparés. Donc ça consiste à ajouter des adaptateurs aux extrémités des fragments pour qu'ils soient ensuite analysés par les séquenceurs. Donc, mon rôle au Génoscope est de récupérer les données en sortie de séquenceurs qui peuvent être des images ou des signaux électriques comme dans le cas du MinION. À partir de ces données, on va utiliser des logiciels pour les transformer et pour obtenir des bases d'ADN. Et on va effectuer un contrôle qualité qui va permettre aux biologistes d'évaluer si l'expérience de séquençage s'est bien déroulée. Ce contrôle qualité est réalisé à l'aide de programmes que nous avons développés. Et ces programmes tournent sur un cluster de calcul qui est hébergé au Génoscope. À l'issue de ce processus, on obtient des données de très bonne qualité qui vont être transférées sur le supercalculateur du CEA à Bruyères-le-Châtel et utilisées par des bioinformaticiens qui pourront faire de la génomique environnementale afin d'étudier la biodiversité du corail. De pouvoir participer à de longues expéditions qui sillonnent le monde, c'est vraiment quelque chose de formidable qu'on n'imaginait pas faire au départ. Et en plus, ça nous permet d'utiliser des méthodes extrêmement modernes en termes de biologie, pour essayer de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe et d'avoir aussi une prise sur le réel, sur le changement climatique en particulier.